Voilà, je voulais vous remercier d'avoir accueilli Marc Alain Wadoul. Le voici. Bonjour. Alors, je sais que c'est l'heure du repas. Vous m'entendez ? Je vais augmenter. Oui. C'est l'heure du repas et que, selon le proverbe célèbre, ventre affamé n'a point d'oreille, donc vous n'allez strictement rien entendre de ce que je vais dire. Donc, je vais être très bref. Je ne parlerai pas plus que 2 heures. Non, je ne vais dire pas plus que jusqu'à 2 heures. C'est ce que je me dirai. Jusqu'à 1 heure, je ne sais pas. Voilà. Bien, moi. Bon, je vais essayer d'être. Je vais essayer. On vient de voir un film que j'en ai déjà dit beaucoup de bien lors de 2 invitations que j'ai faites à Nourit, lors de 2 émissions talmudiques sur France Culture que vous pourrez podcaster. C'est pas de la publicité, mais c'est une manière de prolonger la réflexion que je vais avoir ici. J'ai déjà eu l'occasion donc de dire à quel point je trouvais ce film absolument extraordinaire, tant par sa qualité esthétique, cinématographique, que par la réflexion philosophique qui est menée. Chacun se fait une idée, mais l'image est très très belle. J'y ai trouvé beaucoup de plaisir. Et ce que je voudrais aujourd'hui dire dans cette deuxième partie, si vous voulez, qui est intéressante, la manière dont Nourit, de manière générale, construit son film et en même temps la projection de ses films. C'est-à-dire que la projection, c'est-à-dire vous ici qui venez regarder ce film, faites d'une certaine manière, et d'une manière certaine aussi, partie du film. C'est-à-dire que le film n'est pas simplement ce que vous venez de voir, mais l'expérience que nous avons vécue ensemble de le voir. La salle de cinéma est encore à l'intérieur du film. Et ce film étant quelque chose comme qui est très très bien dit, particulièrement à la fin de ce film-ci, où Nourit utilise 2 fois le verbe « interpréter ». Texte, fiction, à interpréter, lié à une dimension politique pour sortir de la violence, et se termine par l'expression « interpréter à l'infini ». Il y a donc, de la part même, de l'aveu même de la cinéaste, Nourit Aviv ici, quelque chose d'un rapport entre l'image, l'écrit, et l'au-delà de l'image et l'au-delà de l'écrit, qui est l'interprétation. Ce qui fait que même mon propos, ici, n'est pas sur le film. Je ne suis pas en train de parler du film. Je ne parle pas autour du film. Je suis dans le film. C'est-à-dire que l'interprétation, ici, fait partie de l'événement, de l'aventure, des effets que produisent ces images sur la parole que l'on peut en avoir par la suite. Quand j'ai invité Nourit, donc il y a maintenant peut-être 2 mois, je crois, et je tenais absolument, je ne sais pas pourquoi, puisque l'émission s'appelait Talmudique, je tenais absolument qu'elle me dise « mais mon film est Talmudique ». Mais c'était simplement une manière de plaquer le même sur le même, et il n'y avait strictement rien d'intéressant. Et j'ai demandé à Nourit « mais ton film, ton cinéma en général, tu le considères comment ?» Et plus particulièrement, je disais, en ayant regardé ce film, je dis, ce film n'est pas un film de cinéma seulement, c'est aussi un film sur le cinéma, sur l'histoire du cinéma. Le passage du muet à la voix, le passage du noir à la couleur, le passage de la photo au mouvement, il y a un ensemble de choses où on a l'impression que c'est toute une réflexion que Nourit fait, et elle s'inscrit par là même dans l'histoire du cinéma,
De la même façon qu'un philosophe, pour être philosophe, ce n'est pas quelqu'un qui pense. Imaginez quelqu'un qui se lève le matin, il dit « Tiens, aujourd'hui, je pense. Ben, » c'est un promeneur. Mais ce n'est pas un philosophe. Un philosophe, c'est quelqu'un comme Bergson, comme Kant, comme Hegel, qui va citer, comme dit par exemple Hegel, « Tout philosophe a deux philosophies, la sienne et celle de Spinoza. » En disant cela, ce n'est pas simplement une boutade, c'est de dire qu'être philosophe, c'est une pratique, c'est un métier où on s'inscrit dans l'histoire de la philosophie. Quelqu'un qui a une caméra et qui fait des images, il ne va pas dire « je suis cinéaste ». Il va dire « je fais des images ». Il va dire « je bricole ». « j'utilise une caméra ». Pour être cinéaste, comme pour être philosophe, il faut s'inscrire dans l'épaisseur d'une histoire de la philosophie, comme dans l'épaisseur d'une histoire de l'image. Or, ce que fait Nourrit dans ce film, c'est, sans nous le dire, et c'est ça qui est formidable, un ensemble de clins d'œil permanents à l'histoire de l'image, du cinéma, et pas simplement du cinéma, mais de la peinture. Et là, c'était très clair ici, puisqu'on a eu un cours d'histoire de l'art, absolument fascinant, formidable, mais en même temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, à la fin de cette scène avec Marie Gautron, on a véritablement un tableau de Vermeer, absolument extraordinaire. Clin d'œil à la fois, il y a d'autres tableaux, j'en ai vu d'autres à la fin, si dans le tableau, avec Barbara, ça, la fenêtre, je ne sais pas si vous avez, je crois que c'est un de Staël qui m'est revenu en mémoire, mais cette image absolument formidable, là aussi elle fait sens, parce qu'elle est en dialogue avec les autres images. Le sens n'est pas le sens de ce qui se dit, mais le sens qui est en lien, qui est en mouvement, qui va trouver une vitalité parce qu'elle renvoie à quelque chose. La vie, ce n'est pas la substance. La vie, ce n'est pas des êtres. Chacun d'entre nous, ce n'est pas la vie. Moi, tout seul, je ne suis pas la vie. Nourrit toute seule, n'importe qui ici, la vie, ce n'est pas ça. La vie, c'est le renvoi. C'est le passage d'une substance, d'un être, à un autre être. Ni l'objectif d'une chose, ce n'est pas objectif comme objet, ce n'est pas subjectif comme sujet, il n'y a pas de vie dans le sujet, il n'y a pas de vie dans l'objet. Il y a une vie dans la relation entre les choses. Et au-delà de l'objectif, ce qui est intéressant par rapport à la caméra, et au-delà du subjectif, il y a ce qu'on appelle en philosophie le trajectif, c'est-à-dire le trajet qui fait que les choses ont une relation les unes avec les autres. Pour nous faire comprendre cette idée de trajection, je voudrais évoquer ici, avant de commenter un petit peu de manière encore plus précise, parce que là je fais une incise, mais j'oublie pas vers quoi je vais. Vers quoi je vais, je redis là où j'étais, puis je repartirai. J'ai demandé à Nourrit, mais ton cinéma c'est quoi? Tu me fais du cinéma, d'accord, mais c'est comment ton cinéma? Elle me dit, moi un jour, j'aimerais qu'on dise que mon cinéma, c'est du Midrash. J'aimerais introduire le mot Midrash, si je peux te citer, tu me permets, peut-être que c'est un petit peu bizarre ce que tu as dit, mais je te dis... C'est midrashique, mais tu as quand même dit, j'aimerais introduire le mot Midrash dans le cinéma, comme dans la langue française, encore plus mégalo, dans la langue française, comme Lanzmann a introduit le mot Shoah. Je me suis dit, bon, là, elle n'a pas bien dormi. Il y a les périodes, c'est cyclique, c'est la période mégaloma de Nourrit. Et puis après, je me suis dit, mais c'est absolument passionnant cette remarque. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Donc vous voyez, c'est intéressant, c'est-à-dire que ça m'a fait travailler, je me suis dit, mais je vais repenser tout ce à quoi je pense depuis quelques années, depuis que je suis né, c'est-à-dire depuis 2-3 ans, et je vais re-réfléchir sur la notion de Midrash. Et je me suis dit, je vais vous dire ce qu'est le Midrash, et ce n'est pas moi qui vais décider si l'œuvre de Nourrit est midrashique ou pas, c'est vous, ce sont les générations, en fonction de la définition, ou une des définitions qu'on peut donner par rapport au Midrash. Mais avant de revenir au Midrash et vous expliquer en quoi c'est midrashique, alors j'étais un peu sceptique au début, il y a quelques mois, puis après, plus j'ai regardé le film, alors il paraît qu'il y en a qui l'ont regardé 5 fois. Moi, je l'ai déjà regardé 6 fois. Il y a quelqu'un ici qui l'a vu 10. 10, alors bon, alors je vous félicite, vous m'avez battu. Mais à chaque fois, je vois d'autres choses que je n'avais pas vues, j'entends d'autres mots que je n'avais pas entendus, et je mets en relation d'autres images et d'autres mots les uns avec les autres, ou les unes avec les autres,
que je n'avais pas vue. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la possibilité d'une reprise permanente, d'une lecture à chaque fois renouvelée, et de la capacité à réentendre, à ouvrir nos oreilles. Un petit peu ce à quoi nous invite Ishmaël, c'est-à-dire celui que Dieu entend. C'est-à-dire que c'est un film tout à fait intéressant, qui n'est pas un film sur le regard seulement, c'est un film sur l'écoute. C'est un film qui nous apprend à entendre, c'est un film qui nous apprend à regarder. Mais comment entendre et comment regarder, c'est ce que je vais essayer de vous dire ici, si je retrouve, non pas mes notes, mais mes références. Et je voulais vous citer un texte que je considère, et je m'excuse pour ceux qui l'ont déjà entendu cette semaine 10 fois, ou la semaine dernière, ou les années précédentes, puisque c'est un texte que je cite souvent. Alain, tu m'excuseras, tu as déjà entendu ça plusieurs fois, mais pour expliquer ce que j'appelle la trajection, c'est-à-dire le rapport des choses les unes avec les autres. C'est un des textes les plus beaux de la philosophie, avec, d'un philosophe, un des plus complexes, et avec lequel on a le plus de problèmes dans l'histoire de la philosophie, qui s'appelle Martin Heidegger. Et dans un de ses livres, qui est assez chef-d'œuvresque, comme le film de Nouri, le livre s'appelle « Essais et conférences ». C'est un des plus simples. C'est-à-dire que si vous voulez lire Heidegger, c'est pas de l'allemand, c'est pas du français. Il a inventé une nouvelle langue qui s'appelle le heideggerien. Alors il faut des dictionnaires, mais en général, même quand on parle français, on comprend pas le heideggerien. C'est comme le langage de Rabbi Yaakov Lacan, on comprend jamais rien. Alors, mais là, il y a quelque chose qui est absolument plus clair. C'est quand même, ça a l'air d'être du français, et le traducteur a fait un effort. Et dans un livre, dans un article qui s'appelle « La chose », il pose la question de qu'est-ce que c'est qu'une chose. En allemand, le mot c'est « ein Ding », une chose. Et l'exemple qu'il prend, c'est la cruche. Pour expliquer ce que c'est, d'ailleurs il y en a des très belles dans le film. Et il dit « ce qui fait la cruche, c'est le versement ». Geschenk, il dit. Ce qui est d'ailleurs très beau, parce que Geschenk, c'est aussi l'offrande, il y a quelque chose de la donation. Ce qui fait de la cruche une cruche, déploie son être dans le versement de ce qu'on offre. Une cruche, c'est pas le fait qu'il y a de l'eau. Une bouteille, c'est pas fait pour contenir de l'eau. Si on n'avait pas besoin de verser et d'offrir, s'il n'y avait pas besoin de versement, on n'aurait pas besoin de cruche. L'essence de la cruche n'est pas le fait de contenir, mais c'est dans le projet de verser. Et il continue, il dit par exemple un marteau, on ne peut pas dire qu'il ne permet pas de verser. Il n'est pas fait pour ça. C'est-à-dire que l'essence du versement n'est pas liée au marteau. Le versement de ce qu'on offre peut donner quelque chose à boire, il donne à boire de l'eau, il donne à boire du vin. Mais il dit que quand on regarde la cruche, comme objet, c'est-à-dire comme un sujet en face d'une chose, on n'est pas dans véritablement le regard. Parce que la cruche avec l'eau, c'est pas la cruche avec l'eau. Parce que l'eau, elle vient de la source. Et la source, d'où vient-elle? Elle vient d'une nappe phréatique. Elle vient des roches. Mais l'eau de la nappe, d'où vient-elle? Elle vient de la pluie. Mais la pluie, d'où vient-elle? Elle vient de l'évaporation à cause du soleil. Mais les nuages, comment ils sont amenés ici? Par le vent. Et le vent, d'où vient-il? Et ainsi, d'aiguille en fil, ou de fil en aiguille, on a un système infini. La transcendance du monde n'est pas dans l'au-delà du monde, mais dans l'infini du réseau que les choses entretiennent entre elles. C'est ça qu'on appelle le trajectif. C'est ça que je vais appeler, et je vais le préciser, qu'on appelle le Midrash. Un regard sur le monde qui ne regarde pas les choses, mais qui regarde le chemin que les choses empruntent pour advenir devant vous et faire ce qu'on va appeler événement. L'événement, la nouveauté, ce qui apparaît comme nouveau, ce qu'on va appeler en latin novus, qui a donné un mot très beau, qui est le mot nuntius, qui veut dire le messager et l'annonce.
Nuntius, ça vient de Nuntius, donc j'ai amené le gafio, ça vient de novus, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau. L'annonce, c'est qu'on annonce quelque chose de nouveau. Mais si on annonce quelque chose de nouveau, c'est que ce qui est dit fait événement. Et pour faire événement, ce n'est pas le surgissement de ce qui apparaît, c'est le surgissement de l'ensemble des chemins que les choses empruntent pour apparaître devant vous. Ce que la philosophie a appelé d'un mot un peu savant, tout cela, ce qu'on appelle la phénoménologie. Maintenant, Heidegger va le dire avec une beauté tellement extraordinaire que si j'étais venu pour regarder ce film et permettre de mettre en lien ce texte de Heidegger avec le film de Nourrit Aviv, d'Aïe-nous, cela nous aurait suffi. Mais j'ajouterai peut-être après quelque chose de différent. Or, ce que dit Heidegger, regardez, c'est fantastiquement fantastique. Il dit, dans l'eau versée, si vous retenez que cette phrase, avec le film, il faut le mettre en relation. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé que le film se termine par l'eau. Hein, vous avez vu, c'est la terre, l'eau, le ciel, le soleil, les nuages, le vent. Il y a la cruche. Et j'ai dit, il y a de très belles cruches. Mais en ayant dit cela, au pluriel, j'ai vu qu'il y avait une ambiguïté dans ma manière de dire « il y a de très belles cruches dans le film ». Et donc, je me suis dit, je préfère dire qu'il y a une cruche, effectivement, qui ressemble à un tableau de Vermeer. Et après, l'amphibologie, l'ambiguïté du sens des cruches, vous n'en tenez pas rigueur, si vous voulez. Écoutez bien cette phrase. « Dans l'eau versée, la source s'attarde. » Si vous trouvez plus beau, vous me téléphonez. Mais j'ai pas de portable. Dans l'eau versée, la source s'attarde. Dans la source, les roches demeurent présentes. Et en celle-ci, le lourd sommeil de la terre qui reçoit du ciel la pluie et la rosée. Les noces du ciel et de la terre sont présentes dans l'eau de la source. Ce qu'on appelle le trajectif, ce qu'on appelle le midrash, ce qu'on appelle cette idée de ne pas regarder les choses selon ce qu'elles sont en leur substance, mais dans le lien qu'elles entretiennent avec l'infinité des choses, ce que Spinoza d'ailleurs a appelé la connaissance du troisième genre, Heidegger l'appelle les noces du ciel et de la terre. Elles sont présentes dans le vin, à nous donner par le fruit de la vigne, en lequel la substance nourricière de la terre et la force solaire du ciel sont confiées l'une à l'autre. Dans un versement d'eau, dans un versement de vin, le ciel et la terre sont à chaque fois présents. On ne boit plus de la même façon, on ne picole plus non plus de la même façon, mais le rapport au verre, et j'ai compris à partir de cela une idée très très intéressante, mais c'est seulement grâce à ce texte que j'ai compris. Et peut-être c'est très beau que ça se termine sur cette terre sillonnée que tu nous as montrée. Il y a une bénédiction que l'on fait quand on va manger du pain. On pourrait faire une bénédiction qui est « Merci mon Dieu pour le pain quotidien ». Je crois que ça existe d'ailleurs dans certaines traditions. Mais en hébreu, la bénédiction sur le pain se dit « Amotsi lechem mina aretz » qui fait sortir le pain de la terre. Mais le pain ne sort pas de la terre, le pain sort du four. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il fait sortir le pain de la terre? C'est-à-dire qu'il nous fait penser, dans cette bénédiction, à l'ensemble des intermédiaires entre le blé qui va pousser avec le ciel, avec les nuages, avec la pluie, tout ce que j'ai dit, pour arriver à faire naître ce pain. La même chose se fait au niveau du Midrash. La même chose se fait au niveau des mots. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant dans les 10 minutes que je vais continuer ce propos. Pour vous expliquer tout ça, je vais vous reprendre le texte de l'annonce faite à Sarah. Vous me suivez ou je suis tout seul? C'est pas mes lunettes. Oui, d'accord. L'annonce faite à Sarah, d'ailleurs je vous signale que le Midrash est quelque chose qui est tellement important que c'est le cœur même de la Torah. Le cœur, à la fois physique et métaphysique. Quand vous prenez la Torah, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse, vous voulez savoir quel est le cœur, c'est-à-dire quel est le mot central. Vous coupez le texte en deux, donc vous ouvrez le texte en deux. Mais comme le nombre de mots est un nombre pair, le milieu est nécessairement fait de deux mots
différent. Mais bizarrement, en hébreu, le milieu de la Torah, c'est bien deux mots, mais c'est le même mot. Et le même mot, je vous le donne, c'est Darosh, Darash, Moshe. Moïse a fait du Midrash. Darosh, Darash, Moshe. Darosh, Darash. Chercher, il a cherché. Interpréter, il a interprété. Le cœur même physique du texte de la Torah écrite, où on pensait qu'on était dans l'écrit, c'est-à-dire cet écrit, nous invite à l'interprétation, à la lecture infinie, comme dirait David Bannon dans son très beau livre qui s'appelle « La lecture infinie ». Ce texte, donc, de Bereshit, qui a été commenté par les différents personnages de ce film de manière si... C'est bon. J'achète des chemises avec des poches pour pouvoir mettre le micro. Et le chapitre 18 de la Torah qui a été commenté, c'est la Parashat Vayera, c'est-à-dire le texte qui est une théophanie, une apparition de Dieu à Abraham au moment précis où il vient de se circoncire. Il est dans les trois jours après la circoncision. Donc, on nous apprend que c'est très douloureux. Et malgré tout, il est à la porte de sa tente, dans la chaleur du jour, pour accueillir, au cas où, on ne sait jamais, il y aurait des passants. C'est-à-dire que, véritablement, le personnage d'Abraham est dans cette éthique de l'hospitalité. Il voit apparaître trois hommes. On dit des hommes, Anachim, il n'y a pas du tout d'ange. Le mot « ange » n'apparaît pas dans le texte, dans ce texte de la Torah. Ce qui, c'est dans les commentaires, où effectivement il y a trois anges, Michaël, Gabriel et Raphaël. Raphaël, comme son nom l'indique, Raphé, Rapho, ça veut dire guérir, l'ange de la guérison. Gabriel, c'est la Gibor, c'est le fort, c'est celui qui va annoncer la destruction de Sodome et Gomorre. Et Michaël, celui qui va annoncer l'annonce faite à Sarah. Michaël, la différence entre le Coran et les évangiles, c'est que l'ange qui est nommé dans le Midrash n'est pas Gabriel, ni Djibril, mais Michaël. Ce qui est intéressant, j'ouvre une parenthèse, c'est que le mot ange, qui nous vient du latin angelus, mais qui nous vient du grec angelos, se dit en hébreu malach. Malach a un féminin qui est très beau, c'est melacha, qui veut dire le travail. Le travail, Melacha, c'est un travail. C'est le féminin d'ange. Donc à chaque fois que vous travaillez, c'est une ange. D'accord ? Des gens qui sont heureux quand ils travaillent, ils disent « je suis aux anges ». Vous avez remarqué ? Ça vient de là. Quand quelqu'un n'est pas content de son travail, il n'est pas aux anges. Maintenant, pourquoi le mot « travail », c'est le même mot que le mot « ange » ? Parce qu'en fait, ce n'est pas un envoyé. C'est quelqu'un qui a une fonction. C'est quelqu'un qui a un travail. Raphaël a une fonction, un travail, guérir. Michaël a un travail, une fonction, annoncer. Gabriel a une fonction différente, annoncer autre chose qui est de l'ordre du négatif. Et là, il est dans les tentes. Il va accueillir quelqu'un. Il va accueillir quelqu'un, il va accueillir les anges. Or, comment ça fonctionne? Comment fonctionne le Midrash? Comment fonctionne le Midrash? On élabore d'abord, on cherche d'abord à entendre quel est le mot-clé qu'il y a dans un passage. Et une fois que le mot-clé va être déterminé, on va en faire des termes, des thèmes et des variations. Je prends un exemple, un film de Nourrit à vivre. Vous prenez le mot « annonce », c'est le thème. Ensuite, vous en faites des variations, c'est le film. J'aurais pu, ça n'a pas été fait, je l'ai préparé, mais je me suis aperçu que j'avais préparé pour faire 3 heures de cours, donc vous aurez pas l'information, que ce qui n'a pas été fait dans annonce, c'est de travailler dans le film sur le terme d'annonce. D'où vient le mot annonce en hébreu? Besora, ça a été dit, mais pas travailler. Pourquoi le terme de besora est exactement la même gematria que bedrasha, par exemple? Et que drash, qui veut dire le midrash, si je vais au-delà du midrash, où je mets le drash en mouvement, c'est-à-dire je fais un drash plus un. Drash
plus 1, c'est la valeur numérique de Sarah, par hasard. Ça veut dire que Sarah, dont il est question, c'est justement la dynamique du mouvement de cette pensée du Midrash. Mais on n'a pas travaillé sur Bessora, ni le fait, par exemple, que annoncer, en hébreu, Levasser, Bisser, Bet Sinresh, c'est le même mot, mais c'est vraiment parce que tu me disais que ce n'était pas avéré, c'est avéré dans le dictionnaire, c'est le même mot que le mot Bassar, la chair. C'est-à-dire qu'en fait, incarnation et annonce, pour l'hébreu, c'est le même mot. Et je suppose que les évangiles, qui ont d'abord été pensés en hébreu, ont travaillé sur cette idée de l'amphibologie, du double sens de Bisser, annoncé, et Bassar, la chair. Mais dans ce texte de l'annonce faite à Sarah, il n'est pas question de chair. Il n'est pas question non plus du mot annonce. On assiste, on vit à une annonce. On vit une annonce. Mais quel est le mot clé? Quel est l'horizon de la pensée de ce texte? C'est la visite. C'est plus une visitation qu'une annonciation. Ou je dirais une visitation plus une annonciation. Comment va se dire en hébreu la visite? C'est pour voir le nombre d'hébraïsants dans la salle. Et pas tous à la fois, parce qu'après ça fait des ordres. Comment je dis visiter en hébreu? Très bien, mais ça se dit l'évaquer. Ou la visite elle-même, allez-y monsieur, ça se dit, la porte est là-bas aussi, ça se dit bikour, bikour. La racine, c'est bet kouf resh, bet kouf resh. Ces trois hommes ont fait une visite. Maintenant, on va essayer de comprendre comment une racine va être travaillée dans tous les sens possibles, dans toutes les associations d'idées possibles, dans toutes les associations de mots possibles. Et quand on va mettre devant nous, étaler devant nous, l'ensemble de ces possibilités, comme des petites scènes, mais qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres. De manière, je vais dire en citant Barthes, de manière erratique. On est dans le premier plan du Midrash. Ça veut dire, essayer de voir comment ce texte parle. Mais j'ai oublié tout ce que je voulais vous dire, mais c'est pas grave non plus, qui est lié à un des mots qui a été dit plusieurs fois dans le film, qui est le mot, par Chaviva Pedaya, qui est le mot confiance. Quand elle parle de la mère, d'être portée, d'entrer dans l'existence avec confiance. Pour faire du Midrash, il y a une quadruple confiance. C'est une théorie que j'appelle la théorie de la quadruple confiance. Une théorie qui m'a été donnée à comprendre, à entendre et à formuler par un des plus grands philosophes penseurs de notre temps, admet à Vesrim, jusqu'à 120 ans nous lui souhaitons, qui s'appelle George Steiner. Et George Steiner, dans son livre qui s'appelle « Après Babel », écrit que le rapport au livre, c'est une quadruple confiance. Confiance d'abord, première, que le livre a quelque chose à nous dire, que le livre a un contenu sérieux, et donc on rentre avec le livre, avec une confiance. Quand vous êtes venu ici dans cette salle, vous êtes entré avec confiance. Parce que le cinéma de Nourrit Aviv, qui est, on va le voir, point d'interrogation, est-il un Midrash, est comme un texte. Elle le dit elle-même à la fin. Tu le dis, un texte, des textes à interpréter. Mais quand vous êtes rentré dans cette salle, quand vous vous êtes dit, nous on va voir un film, et vous avez confiance que ce film va vous dire quelque chose. Vous avez même plus que cela. Vous avez confiance que le film peut dire plus que ce qu'il veut dire. Qu'il y a un pouvoir dire du film au-delà de son vouloir dire. La phrase est de Lévinas, le pouvoir dire des mots au-delà de leur vouloir dire. Ce qu'on appelle la transcendance du sens. Si, a priori, vous n'avez pas confiance, votre idée c'est nourrit à vivre, c'est... Nourrit à vivre, hop. Un film de Nourrit Aviv, le dimanche matin, tu rigoles, un film de Nourrit Aviv, là vous n'avez strictement aucune confiance, vous n'entrez pas dans la salle, vous ne payez même pas pour venir, certainement pas. Donc, entrer dans une salle de cinéma,
c'est avoir confiance que le film va vous dire quelque chose. Après, il y a peut-être des situations déceptives. Ça, c'est autre chose. Mais toute la vie est déceptive. Parce que si la vie était en adéquation avec notre désir, ça serait malheureux pour notre désir. C'est-à-dire que la possibilité d'être, c'est avoir à être. Il faut, comme dit le même Steiner, il faut jubiler avec véhémence que les hommes ont inventé la possibilité de conjuguer le verbe être au futur. C'est quand même extraordinaire. Si vous jubilez pas tous les matins avec véhémence qu'on peut dire « je serai », c'est, il y a quelque chose. Le « je serai », c'est-à-dire qu'il y a un futur. Donc nécessairement, notre désir est toujours au-delà de ce qui est. Donc comme dit Barthes, il y a toujours du déceptif dans l'être. Je ferme la parenthèse. Et donc, première confiance, confiance que le texte a à nous dire quelque chose. Mais le Midrash ajoute quelque chose de très important. Sans lequel, on ne peut pas être midrashiste. Sans lequel, il ne peut pas y avoir de cinéma midrashique. À savoir, c'est ce que je disais au début, que le cinéma midrashique n'est pas que sur l'écran. Il est dans la salle, c'est-à-dire qu'il est chez le spectateur. Et le Midrash dit, vous allez me dire c'est évident, mais le Midrash dit, la deuxième confiance, c'est la confiance qu'on a comme lecteur ou comme spectateur d'un film, que nous sommes suffisamment intelligents pour pouvoir interpréter ce qu'on vient de voir. Suffisamment intelligents pour ne pas se laisser, entre guillemets, et je le dis bien parce que c'est par rapport au film, embobiner. On ne se laisse pas, mais vous voyez, comme quoi on est tellement numérique qu'on a oublié la bobine, vous voyez ? On ne pas se laisser embobiner, ni rembobiner par le film. Ça veut dire on ne pas se laisser porter sans avoir son esprit critique. Être un spectateur, c'est avoir confiance que le film parle, mais c'est avoir confiance en soi, dans sa propre intelligence, pour avoir un esprit critique. Comment on dit l'esprit critique en hébreu ? Très bien. De la même racine que les vaquers. Exactement. L'esprit critique, ça se dit levaker, qui veut dire à la fois rendre visite à quelqu'un, bikour des hommes par rapport à Abraham, mais levaker veut dire mettre en œuvre son esprit critique. D'où ça vient, et un autre mot que vous connaissez très bien, c'est à quel moment il faut exercer son esprit critique, c'est quand on veut mettre les tefillines le matin. Pas tous à la fois. C'est qu'on veut savoir si c'est encore nuit ou si c'est déjà suffisamment jour pour pouvoir mettre les tefillines. Donc on veut faire le diagnostic, comprendre la subtilité du passage entre la nuit et le jour. C'est ça ce qu'on appelle l'esprit critique. Krinein, en grec, veut dire différencier. C'est comme le mot diagnostic. Quand le médecin visite les malades, c'est pas que c'est un mec sympathique, je le dis comme ça rapidement, c'est pas un homme sympathique. Tiens, qu'est-ce que tu fais ce matin ? J'ai fait ma visite au malade. Non, c'est pour voir s'il y a de la température, s'il se porte bien, c'est-à-dire pour faire un diagnostic. La visite au malade, par sympathie, ça se fait l'après-midi par la famille, par des gens spécialisés qui viennent voir les malades, mais le médecin, lui, il vient voir son malade pour voir comment il va. Donc, la notion de critique, c'est-à-dire la notion de différentiel. Comment se dit le matin en hébreu ? Matin, ça se dit le matin ? Boker. Boker, c'est le matin, parce que j'arrive à discerner entre la nuit et le jour. Bien. Alors ça, c'est très très important, tout ce qu'on est en train de dire. J'ai confiance dans le texte, j'ai confiance dans mon esprit critique. Mais il faut maintenant, est-ce que je me lève le matin, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que n'importe qui se lève et dit, tiens, je suis philosophe. Tiens, oh, ce matin, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis cinéaste. Alors je cours dans un magasin, j'achète un film, malheureusement j'ai la caméra, mais je ne suis pas cinéaste. Pourquoi ? Parce que pour être cinéaste, il faut un savoir. Il faut un savoir, il faut une méthode, il faut des outils. La troisième confiance, c'est la confiance que je peux avoir dans des outils qui me donnent la possibilité de réaliser, c'est le cas de le dire pour un réalisateur, de réaliser un film, de réaliser une pensée. Confiance dans le texte, confiance dans mon intelligence de lecteur, de spectateur, de réalisateur, et confiance qu'il y a des outils qui me permettent de mettre en œuvre la réalisation des désirs. Mais ça ne suffit pas, je n'ai même pas commencé, mais j'arrête dans 2 minutes, c'est ça ? 2, 3, 3 minutes.
4 minutes. Non, j'arrête. Enfin, je vais commencer. La quatrième confiance, c'est de se dire, mais c'est je suis là. Vous voyez là. Moi, je pourrais être hyper angoissé parce que je pourrais me dire, oui, mais ce à quoi tu penses, la manière dont tu parles, les idées que tu formules dans ta tête, peut-être que c'est que toi. Peut-être que c'est éminemment solipsiste, pour le dire en bon français. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui appartient à ta solitude. Et comment tu vas pouvoir partager ce que tu es en train de penser avec d'autres ? Grâce à la quatrième confiance. La quatrième confiance, c'est que ceux à qui je m'adresse sont au moins, aussi intelligents que moi. Et que si je n'ai pas le respect de l'intelligence de l'autre à qui je m'adresse, c'est pas de la démagogie, hein. C'est de la pédagogie, c'est simplement aussi de l'existentiel, c'est-à-dire du respect simplement de l'humain. Si je n'ai pas cette quatrième confiance que l'autre peut être au moins aussi intelligent pour me comprendre, je ne peux rien partager. Si j'ai pu dire que les choses, c'est les relations entre les choses, les êtres, c'est les relations entre les êtres. Mais s'il y a une incapacité à communiquer, il n'y a pas la possibilité de cette trajection, il n'y a pas la possibilité de ce passage, il n'y a pas la possibilité de cette transcendance. Une fois qu'on a ces quatre confiances, on entre dans le texte. Bien sûr, et après, non, je terminerai en 20 secondes. Je voulais juste dire qu'on est d'accord que tu pars de Emouna, parce que Habib Apedaya fait les liens entre la mère et Emouna, et que Emouna, on peut traduire foi, croyance, et toi, tu traduis confiance. Non. Je te remercie de bien préciser, c'est que dans le film, Habib Apedaya dit... La mère nourricière, c'est Omen. Et elle dit que ce mot Omen, c'est aussi la foi. Mais c'est elle qui dit c'est la confiance, c'est pas moi. Je suis en train. Elle fait le lien. Et Mouna, on peut en traduire par foi, par confiance, mais c'est elle dans le film. Tu regardes, c'est un film de Nourrit Aviv. Dans ce film de Nourrit Aviv, Rabbi Apedaya dit je traduis Emouna par confiance. C'est-à-dire que dans le judaïsme, il n'y a pas le problème de la foi en Dieu. Là, je fais une parenthèse théologique. C'est-à-dire que Dieu, pour le dire rapidement, on s'en fout. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne sait même pas s'il existe. Et d'après les statistiques qui ont été faites récemment, on est beaucoup plus sûr qu'il n'existe pas qu'il n'existe. Donc le problème n'est pas un problème de foi en Dieu ou de croyance en Dieu. Mais le juif, c'est un texte du Midrash justement qui dit, c'est Dieu qui parle. Dieu qui n'existe pas, mais qui est un personnage parlant dans le Midrash, qui dit « J'espère qu'un jour, mes enfants m'auront oublié, mais il ne faut pas qu'ils oublient mon texte. » Le peuple juif, c'est un peuple de lecteurs. Un peuple de lecteurs, c'est-à-dire qui ont confiance. La foi dans le judaïsme, c'est la foi dans le texte. Et à ce moment-là, on peut commencer le Midrash. Mais, vraiment, il ne me reste que 20 secondes. Je vais essayer très rapidement, en 20 secondes, de terminer. J'ai commencé par la visite. Maintenant, le Midrash dit, si vous avez confiance dans votre intelligence, je devrais vous demander, avez-vous confiance dans votre intelligence ? La réponse, bien sûr, c'est oui, puisque vous êtes des midrashistes. Et que vous êtes à la suite d'un film, ou dans un film, midrashique, point d'interrogation. À ce moment-là, vous allez vous dire, si l'idée, c'est le mot bikur, qui veut dire visite, est-ce que à l'intérieur de ce texte, qui est l'annonciation faite à Sarah, est-ce qu'on va rencontrer la racine Bet Kouf Resh ? Le Midrashiste dit, j'ai confiance que nécessairement, je vais retrouver cette racine. Mais plus que ça, je vais trouver cette racine et je vais trouver cette racine qui est mise en mouvement dans toutes ses possibilités, dans tous ses anagrammes. C'est-à-dire, je prends le mot boker, bikour, je vais le transformer, ça va donner le mot kever, qui veut dire le tombeau, ça va donner le mot barak, qui veut dire l'éclair, ça va donner le mot rakouv, qui veut dire pourri, ça va donner le mot ravak, qui veut dire engraissé, ça va donner le mot kerev, qui veut dire à l'intérieur d'eux, ça va donner le mot bakar, qui veut dire le gros bétail. Vous allez me dire, mais il est fou, c'est pas dans le texte. Réponse, c'est dans le texte. C'est-à-dire que l'intuition de départ qui fait naître une racine
va permettre ensuite à cette racine de se déployer soit réellement dans le texte, soit ensuite dans le Midrash qui va interpréter ce texte. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un Midrash ? C'est la confiance que j'ai dans le mot que le mot va se mettre à vivre dans toutes ses possibilités. Un mot se met à vivre dans toutes ses possibilités. Je vous donne un exemple, vous allez être un peu surpris. Et je finis. Donc il lève les yeux, voici les trois hommes qui sont debout devant lui, il voit, il court en direction de la porte de sa tente, il se prosterne au sol, il dit « Mes seigneurs, s'il vous plaît, ne passez pas devant moi, prenez un peu d'eau, je traduis directement du japonais, c'est pour ça, « Lavez-vous la pied, vishanu tachataetz » Oui, c'est écrit en hébreu, mais je suis bilingue, c'est plus simple. « Prenez du pain, lavez et mangez, et après seulement vous partirez. » À ce moment-là, il se dit, bon, il faut leur préparer à manger, donc il appelle Sarah, parce que Sarah, elle était où ? À la cuisine. Bravo. Il appelle Sarah, et il lui dit, en hébreu, ce qui est très intéressant, il lui dit, et c'est la seule fois où on voit ce mot, maher, en hébreu, ça veut dire vite. Mais quand vous dites maher, vite, au féminin, ça se dit mari. Ce qui est intéressant. C'est-à-dire que dans l'annonce faite à Sarah, il y a le mot mari. Regardez, c'est ici, regarde. Vayomaher, Avraham se presse, Vayomaher, et il dit à Sarah, à Oela, Vayomer, Mahari, presse-toi, et prends trois mesures de farine, pétris-les, et faisant des gâteaux. Et là, c'est une des questions les plus énigmatiques de l'histoire de la métaphysique occidentale et hébraïque. Et lui, alors, c'était quoi le menu ? Ben, c'était les gâteaux. Vous allez voir qu'à la fin, il ne va pas leur donner les gâteaux. Et le Midrash va poser la question, et je vois que vous connaissez bien le Midrash, mais où donc sont passés les gâteaux ? Question midrashique très importante. Le Midrash va répondre, les gâteaux, elle n'a pas pu les faire. Pourquoi ? Parce qu'au moment où elle a commencé à pétrir la pâte, elle a eu un retour de règle. Imaginez, elle a 90 ans quand même. C'est-à-dire qu'elle a été, par cette parole, remise dans la dynamique et le processus de la possibilité d'avoir des enfants. Et comme elle a eu ce retour de règle, elle s'est dit, bah, attends, là, les gâteaux pour aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, elle va voir Abraham, et elle lui dit, Abraham, il y a un problème, je sais pas d'où ça vient, je sais pas qui sont tes invités, je sais pas qu'est-ce qu'ils t'ont dit, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mais en tout cas, moi, j'ai un problème, je peux pas cuisiner aujourd'hui. Alors Abraham dit, ben, je suis embêté, s'il n'y a pas de gâteau, je vais préparer du veau. Ça vous fait rire, mais c'est dans le texte. Ve'el Abakar, écoutez bien, Ve'el Abakar Ratz Avraham. Et Abraham s'est mis à courir après le gros bétail. Comment on dit le gros bétail en hébreu ? Bakar. Quelle est la racine de Bakar ? Bikour, Bikoret, Boker. Tout ce qu'on a vu au début de manière intuitive, se retrouve non pas simplement sous forme de remèse, de clin d'œil, mais est réellement dans le texte. Il court après le gros bétail, il prend un veau, comment on dit un veau ici ? C'est pas égla justement, il aurait pu dire, il a pris un veau, et il y a un mot pour dire le veau, qui est égel, comme le veau d'or. Mais là il dit Ben Bakar, un fils de Bakar. C'est-à-dire que le texte continue à travailler le mot dans toutes ses possibilités. Mais là, ça va commencer à tourner, c'est-à-dire que le mot va être travaillé dans ses anagrammes, qu'on appelle les tseroufim. Un des mots, écoutez, je vous le dis vers la fin, il prend du beurre et du lait, et le veau, ce qui est très intéressant, alors qu'on n'a pas le droit de manger le lait et la viande, comment tout à coup, il y a dans ce menu, il y a quand même du beurre, c'est marqué chema, du beurre, vechalav et du lait. D'où vient le beurre ? D'où vient le lait ? C'est une question qu'on peut dire. Je vais vous le dire, tout à l'heure je vais vous montrer comment ça vient, c'est très simple. Enfin, je peux vous le dire tout de suite, c'est très simple. C'est que comme un anagramme, ou une, comment on dit, un ou une, enfin, anagramme possible de Bakar, on l'a vu, c'est Ravak, Resh, Bet, Kouf, qui veut dire ce qui est gras. Regardez dans le dictionnaire, je l'ai amené, ce qui est gras. Et donc, par l'anagramme de Bakar, on voit apparaître quelque chose de l'ordre de la graisse. Mais regardez comment ça continue. Et donc il leur présente à manger.
On dit où est Sarah? Il dit elle est dans la tente. Et il dit, Vayomer, on sait que c'est Michael, l'ange, Shuv, Ashuv, Elecha, Kaetraya, c'était cité plusieurs fois dans le film, je reviendrai dans un temps vivant, et voici, il y aura un fils pour Sarah, ta femme. Et Sarah, elle entend à la porte, et elle est derrière la porte, et Avraham et Sarah sont vieux, et ils avancent dans les jours. Et en plus, on précise, Sarah n'a plus ses règles. C'est marqué dans le texte. Chadal liot le Sarah orar kanashim. Elle n'a plus le chemin des femmes. Vatitzrak Sarah bekirva. Et Sarah s'est mise à rire en elle-même. Ce rire, c'est quoi ce rire? C'est le frémissement de ses entrailles. Elle a commencé à sentir qu'il y avait quelque chose qui se passait en elle. Or, comment se dit en elle, quand elle dit « Vatitzrak Sarah Bekirba » C'est quoi le mot « Bekirba » C'est quoi la racine? C'est « Kerev » qui veut dire « à l'intérieur » et c'est l'anagramme de « Bakar » qu'on vient de voir. Et tout le texte va se passer dans la possibilité entre « Bakar » et tous les anagrammes possibles. On a Bakar, alors maintenant vous allez comprendre comment le Midrash est constitué, et j'aurai fini avec ici, vraiment fini. J'ai fini. Bon bref, j'ai fini. C'est-à-dire que, je vous dis quand même... Non mais c'est bien d'être déceptif et d'être frustré, je vous le dis sans le dire, à un certain moment, on dit mais pourquoi Abraham court? Il dit parce que le veau il s'en va, il s'est enfui dans la montagne. Comme dans le film, vous avez vu, il y a des grottes. Et on dit, le veau est rentré dans une grotte. Et tout à coup, dans cette grotte, qu'est-ce que fait Abraham? Il voit, il sent une odeur de paradis. Il sent une odeur de paradis. Et là, il voit Adam et Ève qui sont endormis. Adam et Ève qui sont endormis. Il comprend que c'est la sépulture d'Adam et Ève. Il dit, là, je vais être enterré. Comment le Midrash, tout à coup, invente le lieu de sépulture, alors que ça n'a strictement rien à voir avec le texte? C'est très simple. C'est que le mot sépulture se dit en hébreu kever, et kever est l'anagramme de Bakar qu'on a vu. Et si vous regardez tous les midrashim, je vous laisse, c'est vous qui étudierez, vous verrez que ça fonctionne de cette manière-là. Or, qu'est-ce qu'on a vu dans le film? Ben, on a vu exactement, me semble-t-il, en tout cas c'est l'analyse que j'en fais, la mise en œuvre de cette idée, à la fois du trajectif. C'est-à-dire que si vous regardez le film pour la 11e fois, vous apercevrez que de scène en scène, de parole en parole et d'image en image, sont mises en relation un ensemble de choses que vous n'avez pas vues au départ. Et c'est cette mise en relation, cette transcendance, si vous voulez, à la fois du mot et de l'image, qui fait peut-être, et ça, seule l'histoire nous le dira, que ce film magnifique qu'on vient de voir annonce de Nourrit à vivre, sera, comme l'ensemble de l'œuvre de Nourrit à vivre, une œuvre de Midrash. Je vous remercie.